La nausée, Jean-Pierre, victime de l'amiante. Inacceptable que 300 victimes de l'amiante, dont certains sont décédés de cette poudre blanche, hautement cancérigène, qui fait 10 morts chaque jour, 3000 morts par an, 100 000 morts à venir, doivent rembourser une partie de leur indemnisation perçue du FIVA, entre 5000 et 15000 euros, à cause d'un revirement de la jurisprudence à l'initiative du FIVA à la honte. L'ignominie entendue samedi sur la 2 par Claire Fabre, porte-parole du FIVA. Les 300 victimes doivent rembourser. À la question de la journaliste, même les morts, oui, les héritiers doivent rembourser. Il faut exécuter les décisions de justice. Mais les porteurs de valises déposées à Nicolas Sarkozy, les billets distribués par Éliane Bettencourt, les 45 millions d'euros du préjudice moral de Tapie, les empoisonneurs de l'amiante qui ne remboursent rien, n'ont pas de décision de justice, eux. Les huissiers ne frappent pas à leur porte. N'attendons pas des actes de désespoir des victimes de l'amiante pour agir et faire cesser ce scandale.